Bonjour, tu te demandes peut-être où je suis en ce moment avec toutes ces mouches autour de moi. Je suis au Mont Grou. Si tu connais pas, en fait, c'est à peu près 1000 km au nord de Montréal, près du barrage Manic 5, qui alimente en fait toute une partie du Québec en électricité. Et si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a été invité par l'organisme Aventure Wapishka pour suivre un groupe de gens qui vont apprendre à s'orienter dans les Monts Grou. Je sais qu'il y a la météo, je sais que ça va être difficile parfois, puis donc comme me confronter mes limites aussi, c'est ce que je viens chercher, puis faire la formation aujourd'hui pour les 3 jours, pour bien préparer au niveau de l'orientation, puis l'objectif est vraiment ensuite de me lancer puis de faire la traversée nord-sud. C'est ça, on a une journée d'environ 6 km à marcher, mais quand même dénivelé de 500 mètres à peu près, là. J'ai jamais calculé exactement. Fait que c'est quand même une bonne journée de marche. Oui, on va monter, on a la journée pour se rendre, ça fait que c'est sûr qu'on va essayer de ne pas s'exténuer. La formation est axée pour permettre d'apprendre à traverser les Monts Grou. Inévitablement, il faut maîtriser l'orientation. Il y a 2 sentiers d'accès qui sont balisés pour accéder à la toundra alpine. Mais entre les 2 sentiers, bien évidemment, on se ramasse dans la toundra alpine, sur les sommets, où est-ce qu'il n'y a aucun sentier balisé. Ce qui est merveilleux, c'est un territoire exceptionnel pour se déplacer, pour voyager. Mais évidemment, il faut maîtriser l'orientation. Il y a vraiment un moment où on monte les pieds dans l'eau. Là. C'est très... c'est difficile. On a les bottes mouillées. Et après cette montée-là, là, on arrive puis on a la vue. Puis moi, c'était vraiment l'émotion d'être là. Sens-tu prêt pour entamer ta traversée? Prêt avec toutes tes connaissances, toute ton expérience. M'ont aidé beaucoup, m'ont donné confiance à pouvoir partir seul. Je pense que ça s'est bien passé. Là. J'ai pu voir que... tu avais l'habilité pour faire ça. Ben écoute, bonne randonnée. Donc voilà, j'espère que toutes ces images vous ont inspiré. Elles vous auront peut-être donné le goût de venir ici au Mont Grou. En tout cas, si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à contacter Aventure Wapishka pour toute formation d'orientation ou autre. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt, quelque part au Québec ou ailleurs. Ciao!